Eh bien salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. Et là j'ai l'impression que je suis un nain en fait, parce que le mec, regardez, mes yeux ils arrivent à ses épaules. Alors qu'en fait, ah oui effectivement je suis un peu petit à côté de lui. D'accord. Oui donc, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo un petit peu particulière, non pas parce qu'on est dans une unité d'élite, mais tout simplement parce que je vais essayer de jouer RP. Donc c'est probablement la vidéo la plus spéciale de ma chaîne, hein, je vous l'avouerai. Du coup, ce qu'on va faire, c'est essayer de dérouler correctement, quoi, comme avec une vraie voiture, quoi. Et essayer de ne pas avoir d'accident, de ne pas griller le feu rouge, de faire les interventions dans les règles. Essayer de faire des choses très très RP, quoi, enfin le plus possible en tout cas. Alors, on arrive sur la zone apparemment. Ah ok, d'accord, donc on a passé. Bon, du coup, techniquement, on va activer les gyros de signalisation secondaire, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Ok, nickel, donc j'ai visuel sur mon individu. C'est une personne de type féminine qui marche au milieu de l'autoroute. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Allez, je vais me dépêcher là, je vais localiser la femme. Ok, nickel. Donc là, il faut que je me dépêche au maximum pour essayer de l'interpeller. Elle est en plein milieu de la voie rapide, enfin de l'autoroute. Je l'ai vue, elle marchait en direction du tunnel sur la voie opposée. Très bien, je devrais pas tarder à l'apercevoir. Elle est là. Ok, très bien, elle est là. Madame police. Oh putain. Oh punaise, l'accident. Oh, le véhicule de police il est retourné. Ah, faut que je la rattrape, mais là ça va être très compliqué là. Je vais appeler tout de suite du renfort là, je peux pas quitter la zone là. Il faut que je gère l'accident qui est là, il faut que je balise. Oh là, l'accident les gars. Nickel, elle est interpellée là-haut la personne. Et moi il faut que, ok, j'ai pas de victime ici. Monsieur, tout va bien dans le véhicule? Pourtant c'était balisé quoi. Du coup ce que je vais faire, c'est que bah, je vais devoir forcément faire évacuer ce véhicule de police qui a été légèrement beaucoup endommagé pendant l'accident même. Ok. Nickel. Il m'amène un nouveau véhicule? C'est génial. Merci collègue. Allez. Ah il est en panne le scénic. D'accord. Et je suis enfermé dedans en fait. Bon. Ça c'est vachement RP ça, c'est génial. Bon bah du coup, ce que l'on va faire, comment est-ce qu'on va faire? Là, je peux quand même allumer les gyros, mettre la sirène. Bon, on va faire une petite ellipse les gars, puis on se retrouve une fois que tout ça est réglé. Ouh, je viens d'avoir une intervention assez étrange les gars. Une suspicion de labo de méthamphétamine. Hop, je vais juste mettre les gyros comme normalement. Allez, hop là, attention le camion, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok. Je vais essayer d'y aller assez rapidement. Une suspicion de labo de méthamphétamine. C'est assez étrange comme intervention, j'ai jamais fait ça. Je sais pas du tout ce que ça peut être. C'est probablement un véhicule qui, comme dans Breaking Bad, quoi, une espèce de caravane. Alors là, ça va être très très dangereux parce qu'il faut que je fasse un changement de voie ici. Ok, nickel. Et que j'aille tout là-bas. Ok, alors. Une suspicion de labo de méthamphétamine, donc c'est en bas en plus, ils se sont... Ouh, j'ai une personne ici. Ouh là 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 là, là attendez. On va essayer de pas créer de suraccident. Hop, on va se mettre ici, je vais vite aller parler à la personne, là, lui dire, lui demander ce qui se passe. Madame, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Madame. On va... Attention, le véhicule. Il faut que j'aille au moins sur le bas-côté, là, pour parler à madame. Ok. Hop, je l'ai évacué de l'autoroute. Je vais mettre le véhicule en sécurité de façon à ce qu'il ne puisse pas créer d'accident comme tout à l'heure. Ce serait dommage. Ok, nickel. Je vais remonter un peu. Puis je vais essayer de voir ce qui se passe. Nickel, la circulation est rétablie. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Oh, excusez-moi madame. Alors, madame, bonjour, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui nous avez contacté? Bon, ok, en tout cas, elle est sortie. Faut que j'aille voir. Oh, j'ai évité de marcher sur mon véhicule.
Ok, hop, je vais essayer de passer ici. Qu'est-ce que j'ai en bas là? D'accord, c'est bon, je vois c'est quoi l'intervention qu'on a. C'est en fait, oui, un minivan qui nous a été signalé comme quoi ça pouvait être un labo de méthamphétamine. Donc c'est exactement Breaking Bad comme je vous l'indiquais. Allez. Un peu là, on essaye de se faufiler tranquillement entre les véhicules. Je vais sortir la prochaine sortie, faire demi-tour. Et bah pour essayer tout simplement de me mettre dans le sens de circulation. Ouh, attention, la sortie était là. Allez, camion, camion, avance, avance. Ok. Ça va être super dangereux. Comment je peux faire pour réussir à arriver? Ouais, ok, donc il faut que je reprenne l'autoroute. Oui, donc vous voyez que être RP, enfin RP, je suis pas vraiment à 100% RP parce qu'il y a quelques trucs que je fais pas. Mais par exemple, les clignotants, je peux pas les mettre parce que j'ai pas de mode pour les mettre. Mais comment dire? Ça prend plus de temps parce que je dois arriver dans le sens du véhicule et tout, c'est assez chaud. Alors, le véhicule, il est garé sous le, enfin, sous le, dans le virage là-bas. Ok, donc il est là-bas, je le vois. Très bien, il est là-bas. Donc, faut que je fasse demi-tour assez rapidement. Oh là 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 là, mais c'est des malades. Hop là, attention. Ouais, ça crée des accidents. Donc, même s'il essaye de faire les choses bien, dans tous les cas, les PNJ, ils font n'importe quoi. Allez, je vais me mettre derrière le véhicule. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a les collègues. Ouh là là, ils bombardent, hein. Petit Peugeot partenaire police nationale. Allez, on va toquer tranquillement à la porte. Ok, donc je suis sur la zone du labo. Derrière Yogo, elle sortit. Ok. Ah oui, donc attendez, il m'a l'air d'être un peu cabossé quand même le minivan. Ouh là là, je vais demander une identification de plaque. Tout de suite dans la foulée. Voir si ici on a rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lloyd Evans. D'accord, très bien. C'est probablement la femme qu'on a là-haut, Lloyd Evans. J'aurais dû prendre une identité, j'ai été un peu con. Bon, le véhicule, il va pas rester là, il va se faire évacuer directement par la dépanneuse. Moi, il faut que je retrouve la personne, la femme qui était sur le pont. Du coup, je vais essayer de retourner quand même sur le lieu. Alors, du coup, il faut que j'aille à ce niveau-là. Ok, très bien. On va se dépêcher. Oh, attention, j'ai coupé mes gyros. On va éviter. On est quand même encore en intervention. Allez. Wow. C'est ici. Nickel. Alors, j'espère qu'elle est encore là. Ah, je sais pas si elle est encore là en fait. Ah, regardez, là il y a un autre labo. Enfin, un autre véhicule qui ressemblait. C'est pas forcément tous des labos, hein. Allez. On va y aller tranquillement. La femme était là-bas. On va couper les bleus. Elle était là. Lloyd Evans. Oh punaise, elle s'est barrée. Oh, j'aurais dû prendre une identité. Non, c'était là. Et ouais, elle s'est barrée. J'aurais dû prendre une identité au lieu de juste la mettre là. Ok, bon bah c'est pas grave, hein. Nous on va quitter la zone et on va se remettre disponible, hein. C'est pas un problème, hein. C'est comme ça. Drunken person. Ok. Ok, intervention annulée, comme d'hab, ça change pas d'habitude, quoi. Oh, faut que je fasse des patrouilles dans l'espèce de catacombes, je sais pas trop ce que c'est. C'est des espèces de galeries de chantier, du métro, de je ne sais quoi. Ça pourrait être intéressant. Alors. Ok, on peut aller par là-bas tranquillement. Je vais aller à droite, histoire de voir si ma personne n'est pas là-bas. Parce qu'on l'a déposé dans ce coin-là. Du coup, techniquement, une femme en vêtements rouges qui serait. Non, elle est plus par là-bas en fait. Ouais, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus par là-bas. Là, je regarde s'il n'y a pas des véhicules, des personnes suspectes, hein, sur les trottoirs ou des trucs comme ça. Histoire de voir. Voilà. Haute poursuite au feu garbage truck, c'est juste à côté. Techniquement, il devrait arriver tout droit sur nous, le véhicule. Mais il est en dessous, c'était sûr et. Oh merde! Je suis désolé, monsieur. Et il est pas blessé? Ok, parfait. Sinon, j'aurais annulé l'intervention, je serais resté, hein, parce qu'on aura quand même percuté quelqu'un. C'est pas rien. Allez, on va essayer de se dépêcher. Du coup, c'est en dessous, le véhicule apparemment, il m'a l'air immobilisé. Ah, je peux peut-être passer par là, traverser ici. Allez. Ils sont sérieux là? Les gars, les barrières ne vont pas s'ouvrir, c'est pas un problème, on va faire le tour. Oh là là.
Allez. C'est à droite, le véhicule il m'a l'air d'être immobilisé. Je pense que ça doit être... Ok, il y a déjà des collègues sur zone. Ok, très bien, il y a déjà des collègues qui ont... Ok. Bah apparemment ils ont déjà interpellé. C'est génial, la personne interpellée est ici. Bon. Je vais aller voir un peu... qu'est-ce qu'on a. D'accord, donc elle part directement là-bas. Je vais juste prendre une identité. Amanda Love, très bien. Le véhicule, je vais le faire évacuer dans la foulée. Ok. Le véhicule, une plaque. Et évacuation dans la foulée. Il y a quand même pas mal d'unités qui sont en train de se présenter sur place, hein, parce que ça a fait beaucoup de bruit, la poursuite. Dans toutes les radios, tous les véhicules aux alentours, ils ont essayé d'y aller. Ouais, donc... allez, du coup, fin d'intervention pour nous. On retourne... ouh, attention. On retourne là-bas. Oui, d'accord, vous voyez, donc ils sont en train de la prendre en charge là-bas, les collègues. Ouh, attention. Dangereux, dangereux. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le feu, il est vert, on va se dépêcher. On va aller en phase, vous savez quoi? Hot pursuit of armored car. C'est où? Ok, on va prendre une course-poursuite d'un véhicule qui est juste derrière nous. D'accord. Donc apparemment, il serait en train de remonter. On va essayer de passer tout droit. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas où il va nous emmener. D'accord, très bien. Donc ils sont au-dessus de nous, en fait. Ils sont au-dessus de nous. Mais je ne vois pas où est-ce qu'ils peuvent être, en fait, au-dessus de nous. Il y a quoi là-dessus? Là-haut. Ok, c'est bon, je vois à peu près. Allez, on va essayer de se dépêcher. C'est bon, j'y visualise un peu la zone. Où est-ce que c'est? Faut que j'aille par là-bas, que je remonte. Ça part à pied apparemment. Deux suspects armés à pied. On voit qu'il y a quand même pas mal de véhicules de patrouille qui ont été déclenchés, étant donné l'importance de la chose. Je vois... je vais tout de suite appeler du renfort. Ok, donc apparemment j'aurai un individu armé ici. Il y a déjà un collègue qui prend en chasse. Très bien, le véhicule armé est là. Allez, on s'arrête. On s'arrête, madame. Au sol, tout de suite. Couchez-vous. C'est la police nationale. Au sol, allez. Voilà. Allez, les menottes, dépêche-toi. Comme ça, on va essayer d'aller sur la deuxième personne. Très bien. Alors, tout de suite. Hop là, un paix de check. Ensuite, je demande une évacuation. Il y a les collègues qui sont sur place. Ils prennent en charge. Nous, on retourne directement. Directement sur le deuxième fuyard. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'officiers qui sont déclenchés, enfin de véhicules de patrouille, y compris ce scénic qui fait approximativement n'importe quoi. Allez. Ça court par là-bas, il y a des policiers un peu partout. En même temps, c'est une mission de la plus haute dangerosité, étant donné que ce sont des potentielles personnes armées. Elle est là, la personne. Allez, on va tenter de l'interpeller. Allez, allez, elle s'arrête, arrêtez-vous. Eh hey, madame. Coup de bol, on court plus vite. Arrêtez-vous, madame. Voilà, hop, on est obligé de taser, je suis désolé. Allez. Allongez-vous, les mains en évidence, tout de suite. Vous êtes cerné, madame, vous êtes la personne la plus recherchée de la ville actuellement, là. Voilà. Hop, là, on coopère tranquillement, on va pas chercher là, pour avoir des ennuis supplémentaires. C'est génial. Du coup... Ah nickel, il y a un officier qui arrive. Allez, directement. Un paix de check. Nickel, Stacy, Kni. Collègue, tu prends en charge. Ok, je vais essayer de retourner au niveau du véhicule des suspects armés. S'il n'a pas été évacué encore, ça m'étonnerait qu'il soit encore présent. On va quand même aller voir. Ça vaut le détour. Ça se trouve qu'il y a des armes dans le véhicule, hein, donc je sais pas, on va tout de suite aller voir ça. Ouh, attendez, j'ai une intervention de la plus haute importance en fait. Ok, on part sur une intervention à haut risque. On va aller voir ça. Ça peut être intéressant. Enfin, une interpellation, pas une intervention. Parce que le véhicule est encore là. Eh non, il a été évacué. Du coup, génial, on est dispo. Ok, allez, une intervention à haut risque. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement une interpellation, pas une intervention. Enfin, ça reste quand même une intervention à haut risque pour une interpellation à haut risque. Ok, nickel. Droite. D'accord, donc ça m'a l'air d'être au niveau du club de striptease, non? Ah non, il est à droite. C'est à gauche, là. Ok. Alors.
Bah, il devrait y avoir des collègues, il me semble. Ok, il est dans la zone, le suspect. Ok, nickel, suspect armé, suspect armé. Suspect armé, je pense que je vais prendre des tirs. Il court avec quelque chose dans les mains, il court avec quelque chose dans les mains. Non. Il essaye de dérober un véhicule, ça dérobe. Ça vole un véhicule. On bouge plus, police, descendez du véhicule tout de suite, au sol. Ok, donc j'ai des collègues qui vont arriver en grand nombre là. Ok, waouh. La coopération, nickel. Du coup, je prends tout de suite. On va faire une fouille au corps directement. Oh merde, je l'ai mis assis. Allez, levez-vous. Pat down the bed. Ok, je fouille au corps directement. Allez, hop, et là, on va essayer de trouver. Il a pas de permis d'arme. Dildo, Playboy magazine, a pair of panties. Ok, donc de moins qu'il n'y a rien en rouge, c'est qu'il n'y a rien de potentiellement dangereux. Ok, très bien. Donc ça m'a l'air d'être assez cool. Hop, on va voir ses antécédents, s'il y a quelque chose. Tyler Durden, je crois qu'il a changé de nom en plus. Allez. Possession of an imitation firearm. Ouh, il est recherché pour la possession d'une arme factice apparemment. Eh bah très bien. Vous voyez monsieur à quel point vous êtes cerné là? Il y a des officiers un peu partout. Nickel. Ah oui, il y a vraiment des collègues qui se sont mis à tous les coins là. Très bien, très bien. Ok, on a un Renault Master PN qui arrive en plus. Police municipale un peu partout. C'est génial. Ah oui, ils sont bien déclenchés là. Ok, on va laisser passer le collègue. Nickel, bon allez. Hop, le feu il est rouge. On va pas chercher un accident. C'est qui fait des trucs là? Oh le feu, attention. Oulala, oui bon. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, vous savez quoi, nous on... Oulala, ça tire. C'est qui tire sur qui? C'est qui tire sur qui là? Ça tire sur qui? Ok, très bien, c'est le camion apparemment qui tirerait sur les officiers. On va essayer d'interpeller ça. Il est parti en courant. Il est là. Ok, il y a voleur. Le camion redémarre. Descendez du véhicule immédiatement, descendez. Descendez du véhicule. Hey. Hey. Ok, d'accord, ça part en courant, mais là, en fait, il y a des tirs croisés entre les collègues. Oh, punaise. Ok, un suspect qui me tire dessus, suspect abattu. Ok, très bien. Wow. Comment vous voulez que ce soit RP, sachant qu'il y a des fusillades de tous les côtés? Mais lui. Allez, on bouge plus, bougez plus, au sol, tout de suite. Il y a un officier à terre, Je demande un VSAV directement. Ok, il y a un officier qui va se présenter pour l'officier couché là-bas. Officier. Ok, nickel. Ça tire encore. Oh, le chien là, hey. C'est bon, il est mort. Ok, d'accord, on va. Wow, c'est tendu, hein. Nickel. C'est là, les gars, c'est là. Un officier couché là-bas. Moi, ça va à peu près. On a le FPT aussi qui est là. Ouais, nickel, FPT VSAV. Nickel, ouais, donc l'officier, il est ici. Ok, ça marche. Ils prennent en charge. Paramédic assaut. Wow, c'est quoi ça? Ok, attendez, c'est qui... Il s'énerve sur qui, là, les collègues? Ok. D'accord, très bien, collègue. Allez, très bien, merci.
Est-ce qu'il va pouvoir être ranimé notre collègue là de la police? Là, ok, bon, c'est pas grave, hein. Enfin, si, c'est potentiellement très très grave. Et les coroners? Si, allez, les coroners. Ah, nickel, voilà, hop là. Alors, oh, deux personnes décédées, je savais pas où elle était la deuxième. Ok. Et on a un autre appel à 800 mètres, attention collègue, pour des SP qui se seraient fait agresser sur intervention. On va y aller assez rapidement, c'est assez dangereux, tendu. Là. Et je ferai une vidéo en gendarmerie aussi, le plus RP possible, avec les communications radio. Je vais essayer de m'améliorer au fil du temps, c'est ce que je vous disais dans une vidéo très récemment, que je vais essayer de faire du plus RP au plus RP possible, jusqu'à avoir une intervention qui dure 20 minutes. Ok, j'ai un VSAV ici. Wow. C'est où là? Ils sont où les collègues? Ok, d'accord, c'est dans les bâtiments. On va essayer de se dépêcher. Attention! Police! Punaise! Ah, ça court là dans les petites ruelles. Ok, y a des d'autres unités qui vont arriver, Allez, cours là! Ok, j'ai mon suspect qui est là-bas, il y a un officier qui arrive en face. Il va pouvoir l'interpeller, je pense. Oh merde, désolé. Allez là, mais prends ton arme, qu'est-ce que tu fais? Allez là, hey, on le chope lui, hein. Il se barre pas comme ça. Allez. Je veux qu'on l'attrape lui. Il a agressé des pompiers. Ça se passe pas comme ça. Allez les gars, chopez-le là. Nickel, il s'est tollé. Ok, ils interpellent. Je m'occupe des alentours. Ok, interpellez tranquillement. Je vérifie qu'aux alentours on n'est rien. Je vais la regarder là-bas. Il passe les menottes. Parfait. Ici on n'a rien. Nickel. Allez, parfait. Et bah du coup, hop, allez, levez-vous monsieur. Hop, on va faire une petite fouille corporelle quand même, histoire de voir si on a rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Illégal, prescription pilule, pas de permis d'arme, user une lame de cutter, une seringue utilisée et une prescription pour des pilules. Du coup, lui, hey, gros bonnet, mon gars. Hop, en même temps. Hop, et là, Frank Benur. Allez, on va attendre les collègues qui vont venir le récupérer. Et puis, bah, nous, on va tout simplement rentrer à domicile. Je vais aller chercher les collègues qui vont arriver là-bas. C'est ici, les gars, c'est ici. Allez. Il est plus haut dans la rue. Ouh là là, ça tire. Oh merde, collègue pris à partie. Oh punaise. Panic button, vite. Ok. Ok, on est pris à partie. On est pris à partie par des individus armés. On a les collègues qui se présentent sur place. Hop, je prends une arme qui peut faire une plus longue portée. Mince. Ok, on a les collègues qui se présentent un peu partout là sur zone. Ok, nickel, individu abattu, il y en a encore d'autres, ils sont là. Ok, suspect abattu. Ça se présente encore ou pas? Qu'est-ce qu'on a? La zone est sécurisée ou pas? C'est safe? Ok, nickel. Hey. Quittez la zone. Ok, il y a les SP qui se présentent. Eh bah, punaise. Ouh, tendu, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du mouvement par là-bas? Ok les gars, on reste groupés. On a les SP qui se présentent. Allez les gars, ils prennent en charge toutes les victimes. On ferme tout ça.
Ok. Nickel, tout est pris en charge. On a les collègues qui sont un peu partout. Là, on a pas mal de suspects qui ont été abattus. Au premier abord. Hein. Ok. Nickel, on va fermer les voies de circulation. Ok. Les collègues, ils sont un peu partout. La zone est sécurisée. On va faire venir les coroners quand même. Après l'intervention des pompiers, hop, on va appeler un deuxième VSAV parce que je pense qu'ils sont un peu en galère là. Ok, très bien. Ça surveille les personnes qui ont été blessées par balles. C'est génial. Je vais ranger mon arme de poing. Ok, très bien. Bon. Hop, on va faire venir les coroners directement dans la foulée. Merci, collègue. Ah. D'accord. Très bien. Hop là. On a les coroners qui sont là. Avec un de ton pneumatique, hein, on va savoir pourquoi. Et du coup, nous, on va essayer de retrouver notre véhicule et de quitter la zone d'intervention. Mais ça va être aussi la fin de la vidéo. Du coup, les gars, on va se quitter maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Hein. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Attendez, il me semble, ouais, j'ai sauté ce mur-là. Mon véhicule, il est là-bas. Hop là. On va essayer de le retrouver tranquillement. Hein. Pas de prise de tête. Grosse fusillade. Ah, je t'ai garé en plein milieu de la route. Excellent, excellent. Ah, même pas de feu... Ok, bon allez. Du coup les amis, c'était Drixiz, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et ciao, bye bye.